implication en ufologie est un peu intermittente ces temps-ci parce que bon, j'ai fait un petit retour aux études depuis 2010. Puis le retour aux études a fait qu'en même temps, j'avais commencé à m'impliquer activement avec l'Association québécoise d'ufologie. Je donnais des présentations, puis pourquoi je m'étais avancé vers eux, c'est justement après avoir lancé mon livre en 2008, là, L'ère du carreau. Ça avait un peu rapport avec la réalité extraterrestre, là, mais c'est pas un ouvrage ufologique, là, c'est un ouvrage anthropologique, mais il y a des relations avec l'ufologie à certains niveaux. Puis, quand j'abordais ça dans mes conférences, je voyais que les gens étaient pas très ouverts à la question. Puis ça m'a un peu surpris. Puis, parce que pour moi, ben comme j'avais déjà parlé plus tôt, là, beaucoup de gens qui avaient vécu des expériences par rapport à l'ufologie m'en avaient parlé. Puis, à la longue, bien, ça m'a donné une perception, en fait, qu'on n'est pas seul, on est visité, que les gens ont vécu des expériences. Puis, après avoir sorti mon livre, c'est pour ça que, bon, dans ma tête à moi, là, les gens étaient déjà au courant de cette réalité-là qui nous entourait. Eh bien, non. Les gens réagissaient assez difficilement aux propos qu'il y avait dans mon livre puis dans mes conférences. Puis là, bien, j'ai dit, on va regarder le côté ufologique, purement ufologique. C'est là que j'avais pris en contact avec Genuilo, puis Ricardo, puis j'avais dit, je vais présenter mon livre, puis ça avait été très bien reçu. J'ai été accueilli là comme un peu comme une famille, c'était bien. Puis c'est un peu ça qui a fait que je me suis dirigé en ufologie. Bien, souvent, les gens qui critiquent, là, que ce soit bon, la théorie du complot ou seulement l'ufologie, c'est des gens qui n'ont pas fait de recherches sérieuses puis qui sont un peu fiés sur ce que les autres ou ce que certaines sommités, que ce soit scientifiques ou autres, pourraient avoir dit là-dessus. Mais moi, je pense que quand on est suffisamment curieux, puis quand on fait... il faut pas être paresseux pour faire de la recherche ufologique. Ça, c'est la première des choses. Parce que l'information est noyé dans une mer de toutes sortes de documents, justement, puis des gens qui mettent n'importe quoi, puis tout ça. Puis il faut faire le tri. Mais après que tu as fait le tri, puis après que tu as commencé à avoir une vision un peu plus large, mais tu te dis, il y a vraiment des gens qui ont vu des choses, il y a vraiment des gens qui ont vécu des expériences. Ça, c'est pour le volet ufologique, donc ça existe. Oui, on est visité. Oui, ça fait des milliers d'années que ça existe. Oui, aujourd'hui, le gouvernement est impliqué. Non. non. C'est sûr que c'est un peu péjoratif là, comme étiquette, justement, parce que tout de suite, quand... Bon, au début, ça me frustrait un peu. Je n'étais pas vraiment d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, je l'assume. Oui, bon, OK. C'est certain que toute ma démarche, toute ma recherche, toutes les présentations que je fais, c'est orienté vers le fait qu'il y aurait une conspiration qui garderait tout ça caché. Mais c'est pas moi qui... C'est le chemin que j'ai pris, puis c'est j'ai suivi l'information. C'est seulement que ça. Puis, bon, oui, OK, je suis conspirationniste dans ce sens-là, mais j'avais pas pris cette direction-là parce que ça m'intéressait. J'avais pris cette direction-là parce que je cherchais la vérité. Mais ça fait gros, là, chercheur de vérité, là, mais c'est un peu ça. Ben, je me vois comme un ufologue qui fait de la recherche documentaire puis qui a pas peur justement de développer sur les pièces qu'il retrouve. OK. Roswell, bon, ben comme tu as dit, justement, oui, c'est connu, mais c'est mal connu.
Puis justement, dans les documents que j'ai travaillé dessus, qui se référaient à Roswell, on les voit pas vraiment. Mais c'est sûr que c'est des tonnes de documents, beaucoup de pages, puis c'est ardu à lire. Puis on n'a pas accordé trop d'importance parce que Roswell, c'est un peu là où toutes sortes de choses ont pris racine, que ce soit justement la mise sur pied du Conseil de sécurité nationale, la CIA, les opérations psychologiques. Tous ces événements-là ont eu lieu après Roswell, quelques mois après. Puis justement, il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour discréditer ou mettre de côté toute cette espèce de théorie de crash d'OVNI, de technologie récupérée, puis justement pour éviter que les gens tombent sur des documents qui sont en circulation. Parce que oui, la désinformation existe, sauf que la désinformation ou les gens qui travaillent à garder l'information OVNI secrète ne peuvent pas avoir le contrôle de tous les documents qui sont mis en circulation. Donc, il y en a des documents authentiques qui parlent de Roswell, puis c'est sur ces documents-là que j'ai travaillé avec beaucoup d'informations. Puis j'en ai conclu que justement, j'ai compris pourquoi justement qu'il y avait tant d'efforts et d'énergie qui étaient faits à essayer de dévier ou d'amener les gens ailleurs. Puis une des informations là-dessus, c'est comme quoi que Majestic 12 ou l'opération Majestic 12 ou Magic ou MJ12 ou tous ces différents noms-là de l'opération secrète gardant la réalité OVNI extraterrestre, dont le crash de Roswell secret, était de la désinformation. Puis ça, parce que beaucoup d'une partie des documents qui réfèrent à Roswell ont été tampés Magic ou Magi ou que c'est marqué l'opération Majestic 12. Puis tout ça, fait que les gens ont tendance à dire « Ah ben, on va pas se taper toute cette lecture-là parce que de toute façon, c'est de la désinformation. » Bien non. Finalement, moi, j'ai décidé de garder l'esprit ouvert. Puis quand je suis tombé dans les informations qu'il y avait dans ces documents-là, je me suis aperçu que tout est là. Toute l'histoire est racontée par justement l'unité des phénomènes interplanétaires de General Marshall en 1942. Donc, ça a commencé bien avant Roswell. Ça a commencé dès les années 40, là, les crashs d'OVNI. Mais Roswell, c'est le plus connu parce que il y a des gens qui ont voulu parler. Puis, dont justement un président, puis un secrétaire à la défense. Puis, c'est encore gardé secret aujourd'hui. Puis, c'est ce qui fait que justement, depuis 2010, là, je travaille sur un autre livre qui est consacré strictement à l'ufologie, l'implication du gouvernement dans le cover-up. C'est un peu ça qui est ma spécialité. Donc, c'est l'ufologie à partir des années 40, 50, puis jusqu'au développement un peu du projet de Reagan, la guerre des étoiles, là.